Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue donc dans ce numéro 5 de Au coin du DVD. Numéro 5 qui change de lettre, donc on a fini avec les A, pour le moment en tout cas, peut-être qu'on y reviendra un autre moment dans l'année, mais en tout cas on a fini pour le moment. Et dans les B, j'ai pas beaucoup de films, honnêtement, j'ai très très peu de films même dans les B. Je dois en avoir à peine une dizaine, et ils sont à peu près tous dans le même genre, on est soit sur de la comédie, soit sur du drame. Et au milieu de tout ça, il y a un film d'action. Un film d'action que j'apprécie énormément parce qu'il s'agit du dernier film d'action réalisé par, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, un génie du film d'action. Un mec qui a réinventé totalement les codes de ce cinéma-là et qui pour moi reste l'un des metteurs en scène qui a été le plus injustement détourné, entre guillemets, de Hollywood à cause d'une sombre affaire d'écoute que Karim Debbache a bien mieux évoquée que moi. Il s'agit de Basic, réalisé par John McTiernan. Basic, réalisé par John McTiernan, lorsque je l'ai vu, je m'en rappellerai toujours. Il faut savoir qu'à la base, j'ai découvert ce film par pur hasard. Parce que j'étais très fan de John Travolta à l'époque. Parce que j'aimais beaucoup trop La Fièvre du Samedi Soir. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais toujours pas aujourd'hui pourquoi j'aimais autant La Fièvre du Samedi Soir, mais j'étais vraiment fan de La Fièvre du Samedi Soir. Et j'ai découvert qu'il y avait ce film au milieu de sa filmographie, qui était tout de même réalisé par John McTiernan. Et John McTiernan, pour vous replacer un contexte, quand je vous disais que c'était un génie du cinéma d'action, on est quand même face au mec qui a réalisé Die Hard 1 et 3, ainsi que Last Action Hero. Et je ne citerai que ça pour vous démontrer à quel point c'est un immense metteur en scène. Parce que derrière, Predator, etc., c'est un génie du cinéma d'action, capable de réinventer totalement la conception à la fois ou de l'horreur pour Predator, ou de l'action pour Piège de Cristal, ou de la comédie d'action avec Last Action Hero, ou ici, du film qu'on pourrait appeler film de guerre slash mystère. C'est un film, en gros, qui traite d'une affaire interne au sein d'une base militaire, suite à la mort de plusieurs officiers. Et on ne sait pas comment ça se fait qu'ils sont morts ou disparus. Le pitch du film est hyper accrocheur, mais alors rien ne vous prépare à l'expérience que c'est. Franchement, c'est un des films devant lesquels je suis rentré en me disant « Oh la vache, les critiques sont assassines, enfin, tout le monde dit que c'est nul, que c'est décevant, que les acteurs sont pas bons, puis en plus c'est John McTiernan qui réalise, ça me semble vraiment bizarre. » Enfin, allez sur IMDb, vous allez vous taper des barres, je crois que le film a 38 sur 100 en Metascore, enfin c'est un... C'est vraiment pas un bon chiffre, quoi, sur le papier. Quand tu vois ça, tu te dis, ouais, bon, le film est pas bon, quoi, ça a aucun intérêt de le voir. C'est typiquement ce genre de film où quand on regarde les critiques presse et une fois qu'on a vu le film, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un petit bijou basique. C'est un film que je trouve extraordinaire dans sa mise en scène, c'est un film que je trouve très intelligent dans sa manière de jouer avec les personnages et surtout de jouer avec une certaine forme de mystère constant. C'est un film qui... se sert à la fois hyper bien de ses acteurs, tout en les détournant un petit peu de leur code habituel ou de leur jeu habituel. Enfin franchement, John Travolta, pour moi, il rappelle un peu le jeu qu'il avait dans Broken Arrow. Et dans Broken Arrow, John Travolta était un peu en roue libre. Et par moments, c'était pas non plus foufou. Mais ici, il joue très très bien sur la corde raide entre surjeu et équilibre parfait. Alors Samuel Jackson en face, je ne sais que vous dire, si ce n'est que c'est un acteur qui sait jouer beaucoup de choses, mais alors ici... il est glaçant d'effroi tellement il maîtrise son personnage. Et je trouve ça sidérant. Vous rajoutez au plus au milieu de ça Connie Nielsen, qui est une immense actrice qui ici délivre une prestation absolument merveilleuse. Ça vous donne un film exceptionnel. Et je pèse mes mots. Pour moi, Basic, c'est vraiment le genre de film qu'il faut réévaluer, mais complètement. Parce que je ne comprends pas pourquoi il a des critiques aussi assassines. Peut-être que c'est parce que les gens n'ont pas plus que ça apprécié le retournement de fin. Peut-être parce que beaucoup de gens se sont dit « Franchement, Travolta et Jackson, ils sont pas plus fous que ça au sein de ce film. » Peut-être parce que c'est le dernier film de John McTiernan à l'heure actuelle, en espérant que peut-être un jour il revienne, Inch'Allah. Ou peut-être tout simplement parce que ben, les gens n'attendaient plus. Les gens attendaient peut-être plus de la part du dernier film, d'un des monstres du cinéma d'action des années 80 et 90. Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre. Pour les interprètes principaux, pour le réalisateur, et pour le pitch, je vous conseille très fortement Basic de John McTiernan. C'est une tuerie, vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Et si vraiment vous vous ennuyez, revenez me voir, parce que je ne sais pas quoi faire pour vous, je vous conseillerai un autre film, tant pis, on trouvera une solution. Ainsi s'achève ce numéro 5 de Au coin du DVD. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez déjà vu, ou si vous comptez le voir et que vous l'aurez vu juste après, ben...
Vous venez me mettre. Oh, dis donc, Valentin, il est vachement bien. Oh, dis donc, Valentin, c'est complètement pourri. Je le lirai dans tous les cas. Et d'ici là, n'oubliez pas la phrase que je dis toujours maintenant. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.